Si les trous noirs sont parmi les objets les plus fascinants de notre univers, ils sont également les plus mystérieux. Un trou noir est une zone dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière, l'entité la plus rapide connue dans notre univers, ne peut s'en échapper. La frontière d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements. Il s'agit d'un point de non-retour au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. Quand quelque chose traverse l'horizon des événements, il s'effondre dans la singularité du trou noir. Cette singularité est un point infiniment petit et dense où l'espace, le temps et les lois de la physique ne s'appliquent plus. Les scientifiques ont théorisé plusieurs types de trous noirs différents, les stellaires et les supermassifs étant les plus communs. Les trous noirs stellaires se forment lorsque des étoiles massives meurent et s'écroulent. Ils ont une masse 10 à 20 fois supérieure à celle de notre Soleil et sont éparpillés à travers tout l'univers. Il pourrait y avoir des millions de ces trous noirs stellaires rien que dans la Voie lactée. En comparaison, les trous noirs supermassifs sont des géants, mesurant des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Les scientifiques ne peuvent que supposer comment ils se forment, mais nous savons qu'ils existent au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris la nôtre. Sagittaire A, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, a une masse d'environ 4 millions de soleils et a un diamètre équivalent à la distance entre la Terre et notre Soleil. Étant donné que les trous noirs sont invisibles, le seul moyen pour les scientifiques de les détecter et de les étudier est d'observer leur effet sur la matière à proximité. Cela inclut les disques d'accrétion, disques composés de particules qui se forment lorsque les gaz et la poussière tombent vers un trou noir, ainsi que les quasars, jets de particules qui explosent depuis des trous noirs supermassifs. Les trous noirs sont restés inconnus jusqu'au XXe siècle. En 1916, en utilisant la théorie de la relativité générale d'Einstein, un physicien allemand nommé Karl Schwarzschild a pu calculer que toute masse peut devenir un trou noir si elle est suffisamment comprimée. Mais ce n'est qu'en 1971 que la théorie est devenue réalité. Des astronomes qui étudiaient la constellation du Cygne ont découvert le premier trou noir. Un nombre incalculable de trous noirs sont dispersés à travers l'univers, déformant constamment l'espace et le temps, altérant des galaxies entières et inspirant sans cesse aussi bien les scientifiques que notre imaginaire.